Bonjour, c'est Jean-Marc Tudat, alias Charlie David, pour la nouvelle émission, notre nouvelle émission sur l'Internet qui s'appelle Johnny Talk Talk version virtuelle 2020. Alors, bienvenue à une autre émission. Et puis, aujourd'hui, eh bien, je suis toujours en confinement chez moi. Ah oui, ma voiture, mon taxi est toujours au garage. Et oui, le garage s'appelle My Day Off. Et puis, alors, je suis toujours en confinement. Bien sûr, ça m'a permis de faire un peu de ménage dans mes papiers, de retrouver aussi de vieilles photos. Justement, ici, j'ai des photos d'un ancien 15 août des fous. 15 août des fous, mesdames et messieurs. Ici, on voit Idée du Nord. Hein? Idée du Nord. Aujourd'hui, pour l'émission, eh bien, on s'intéresse, on va appeler, j'appelle mon ami Chris Leblanc, qui lui est à Tracadie. Alors, on va lui demander de ses nouvelles. Et puis, ce qui est intéressant avec Chris, présentement, c'est que Chris a mis en ligne une émission qui a été réalisée ici, dans la région, en 1999. Alors, ça s'appelle Lunatique. Et puis, bah, écoute, on va parler à Chris Crash. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et Chris Crash de Tracadie. Pour nous parler de Lunatique et évidemment de sa Brooklyn. Parce que on est tous les deux passionnés de cette voiture. Allô, Chris? C'est Jean-Marc. Comment ça va? Hey, c'est super, t'es comme notre premier invité ici, là, au nouveau Johnny Talk Talk version virtuelle 2020. Alors, mais hey, on est très fiers de ça, on dirait qu'on est back in business. Alors, et puis c'est ça, étant donné qu'on est tous chez soi, un petit peu confinés, on a pensé de recréer le talk-talk, mais... Salut Chris, comment vas-tu? Hey, it's alright, Ben! Bienvenue à la télévision virtuelle en Acadie 2020. Oui, ben, on est très heureux que tu sois notre premier invité. Il y a eu des périodes comme ça, c'est de, pendant toute l'histoire, les Acadiens, on a vécu des événements difficiles. Puis, je crois qu'on vit la nouvelle époque où est-ce qu'on peut continuer à être des leaders mondiaux. C'est l'ordre du bon temps, version Facebook. So, continuons, parce que la Scorbu, elle n'a pas réussi à nous avoir en 1604, puis elle ne va pas nous avoir en 2020. Let's do it. D'accord. Puis, qu'est-ce que tu fais, Chris, pour passer le temps ces temps-ci? Ben, moi, ça faisait comme, c'est quasiment comme si je me préparais pour cet événement ici, parce que ça fait 3 ans que j'apprends de cataloguer mes stock footage, toutes mes footage des années 1980, 90 jusqu'à 2000. So, j'ai tout répertorié mon stock, puis je cherchais quasiment une excuse à commencer à visiter ça. So, là, ben, on va partager ça avec vous autres. Johnny, moi, je suis un fan, puis un collaborateur, puis un ami de toi, John, puis... Let's do it. Comme on va partager ça avec nos amis partout en Acadie, au Québec, en France. Let's do it. Parce que tout ton footage qui était enregistré sur DVD a été transféré en digital, si je ne me... Yeah, moi, je suis tout paré pour ce site, man. Moi, j'ai tout mis ça en canne. C'est tout des clips. So, maintenant, on va continuer notre voyage dans le temps. Puis on va... Ça que j'aime de faire des recherches de même dans les archives, c'est que je réalise à quel point... Toi, Johnny, t'as pas changé, à quel point moi, j'ai pas changé, à quel point toutes nous autres, la communauté artistique de Moncton, on est tous des fonceurs, tout du monde qui a devenu des artistes ou des gens d'influence. Mais le plus les choses changent, le plus il reste le même. Puis, c'est en même temps, il y a des patterns, il y a des choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, qui n'existent plus, qui sont juste sur des cassettes à cette heure. So, faut partager, il y en a ces choses-là. J'ai pas mal de stuff, pas mal weird à vous montrer. So, peut-être, ben, si tu veux, Johnny, de temps en temps, me donner la chance de partager ça avec vous autres, ça me ferait plaisir, man. C'est sûr, on va mettre tous les liens, puis on est vraiment heureux de collaborer avec toi, Chris.
On espère que puis en plus, Johnny, on peut inspirer hein, les jeunes puis les moins jeunes de eux aussi collaborer des clips. Dans mon cas, c'est des clips historiques ou artistiques, mais si les jeunes voudraient comme se mettre à faire des films dans leur maison right now, regarde, vous avez tout le temps du monde, vous avez des chiens, des chats, vos frères, vos sœurs, votre père, votre mère. Mettez-vous là, puis peut-être ben, on pourrait commencer un petit film, un petit festival de films virtuels. Si vous voulez faire des courts-métrages, des TikTok ou n'importe quel autre format que vous voulez faire, si vous voulez juste nous envoyer un petit clip, ou peut-être ben, réagir à nos clips, ben, nous autres ici, on serait vraiment contents de tout mettre ça dans le blender puis mixer ça dans un smoothie visuel. Super, super. Ben écoute, encore une fois, Chris, vraiment heureux que tu... You're on board. Et puis, écoute, on espère que le confinement qu'on vit tout de suite va se terminer bientôt, espérons-le. Et puis, ben on aura sûrement des insights là-dessus là bientôt. Et puis, ben écoute, on garde contact. On te remercie beaucoup. Puis, écoute, pour nos téléspectateurs, ben on va aller prendre une petite drive dans Brooklyn. OK. Open the goddamn door. What did you say? Open the goddamn door. OK, it's open, sir. It's open. On fait les détours, c'est le New Brunswick Tour 2019. Alors, il n'y a rien comme ça, Chris, pour te faire sentir comme une star. Sur ce, aujourd'hui, dans la Brooklyn de Chris, on se dirige vers Alma. Et puis, je veux juste dire que je me sens comme une star. C'était mon moment Steve McQueen de l'été.